Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette vidéo de Super Mario 64 DS. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va finir déjà le manoir des poux en récupérant l'étoile du sous-sol du coup. Et on va récupérer d'autres étoiles qu'on pourra. On verra ce qu'il faudra faire, mais on verra. Bon, déjà, il faut récupérer la casquette de Wario et aller de l'autre côté, du coup. Péter ce bloc et voilà. Après, il faut juste se faire toucher parce que Wario est assez lent dans sa course, donc la casquette de Wario n'est pas idéale pour faire cette étoile. Et voilà, on récupère l'étoile assez facilement, c'est bon. Et du coup, ce monde est déjà fini. Oh yeah. Autant partir... Bon, le lapin, on s'en fout pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'il soit blanc. Actuellement, il était déjà blanc tout à l'heure. Allons en bas et... on va aller récupérer l'étoile du Toad là et baisser les deux piliers aussi, tant qu'à faire. Ah oui, les Jay s'est couru sur l'eau, c'est vrai, j'avais complètement sapé. Laisse-moi te donner un conseil, mon bon Luigi. Même si les casquettes se ressemblent toutes, celle que tu portes depuis des années est assez spéciale. Sans elle, tu ne dois surtout pas essayer de frapper les blocs marqués d'un point d'interrogation, c'est compris? Si tu perds ta casquette, tu la retrouveras là où tu l'as perdue. Oh, tiens, prends ça. Maintenant que ça c'est fait, on va aller baisser les deux piliers. Bon, les deux piliers sont juste là, hein, du coup. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire une attaque rodéo sur les deux. Et voilà. L'eau, ça baisse. Ah, il faut Wario pour péter ce bloc. Bon, du coup, on va aller chercher Wario. Là-bas d'ailleurs, là où il y a le bloc là de noir, c'est normalement où se trouve la casquette d'invisibilité dans le Super Mario 64, du coup. Mais là du coup, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de casquette d'invisibilité, et si vous la vouliez, ben, il fallait prendre Luigi, et puis voilà, il devient invisible en prenant une fleur de puissance. Wario devient métal, et Mario peut voler. Yoshi, quant à lui, il peut cracher du feu. Alors ici, il y a deux étoiles. Pas comme dans la première version de Super Mario 64, du coup. Il y a une étoile où il faut récupérer les 8 pièces rouges, du coup. Ce que je suis en train de faire. Et une étoile où il faut avoir la casquette de Mario et s'envoler à un autre endroit. On verra ça après. Pour l'instant, je prends Mario parce qu'il saute plus haut, il est un peu plus rapide que Wario, donc on va le prendre. Voilà. Là, on a vu les 4 autres pièces, ils sont sur le chemin. C'est bon.
du coup, il ne nous reste plus qu'à attendre et prendre les 4 autres pièces rouges qui nous manquent. Voilà, ça c'est fait. Il nous en manque plus de 2 du coup. On va pas aller tenter le diable pour ce truc. Ça sert à rien. De toute façon, là, il vaut mieux attendre pour récupérer la pièce. Voilà, comme ça. Il ne manque plus qu'une pièce rouge, là, et elle est sur le chemin. Hop, on peut prendre la casquette de Luigi parce que, l'étoile va se trouver derrière le grillage qu'on voit là-bas. Et la pièce rouge est sur notre chemin, donc hop, voilà. Voilà, tout simplement. Yeah. Bon, ceci étant fait, on va récupérer la deuxième étoile qui se trouve là-dedans. Bon, là on peut partir, du coup, ça sert à rien de ramasser les pièces rouges. J'en ai ramassé une sans faire exprès, mais c'est rien. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la casquette de Mario. Et prendre le bloc de points d'intégration, là. Hop, hop. Déjà, prenons la casquette de Mario. On retourne en arrière, et là, il y a un bloc. Et là, du coup, on prend le bloc et on va... On longe le mur. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est voler jusqu'à l'étoile. Et voilà. Pour le dernier mur, on peut faire un rebondi mur et c'est bon, ça marche. On atteint directement l'étoile sans trop de difficultés. Sinon, il faut prendre la fleur et puis monter quoi. Voilà, ceci étant fait, on va aller chercher Mario et on va récupérer les étoiles de la caverne brumeuse, du coup, je pense. D'ailleurs, à penser que il y a deux étoiles dans la caverne. Il y a deux étoiles secrètes dans la caverne brumeuse, du coup, qui sont les étoiles de la casquette de métal, du coup, les 8 pièces rouges, plus une étoile cachée. Mais bon, elle est pas si bien cachée que ça, de toute façon. Vu qu'on la voit sur la carte quand on y va. Bon, bref, allons du coup dans la caverne brumeuse. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y a deux lapins, voilà. Il nous donne 2 clés d'ailleurs, hop. C'est vraiment très bien d'aller ici quand on fait la lave fatale et le désert là avec Mario parce que ces lapins peuvent devenir blancs du coup, comme les autres qu'on a déjà eu. Et pendant qu'on fait la lave fatale ou le désert, ben, on regarde si l'un des deux n'est pas devenu blanc. Et puis si l'un des deux est devenu blanc, ben, on le capture et puis voilà. Ça nous en fait un au moins à avoir. Je suis pas sûr qu'avec la caverne brumeuse ça marche, mais normalement si, je pense. Même si ça doit être plus chiant de rentrer sortir à chaque fois. Il n'y avait pas de grille ici avant dans Mario 64. Ils l'ont rejeté sur DS. Avant il fallait faire un
un long jump jusqu'à l'autre partie. D'ailleurs, c'est pas la peine d'aller chercher l'étoile qui est au-dessus, normalement, ils l'ont enlevée. C'est une autre étoile, du coup, cette fois-ci, qu'ils ont mis. Bah, elle est plus là, de toute façon, il n'y a plus d'étoile, de toute façon. Bon, comme vous voyez, du coup, il y a un bloc en face de nous. Avant, dans Mario 64, du coup, l'île était plus élevée, il fallait aller au dos de Bibi, du coup. Et du coup, là, il faut juste prendre Mario, aller sur l'île et le frapper, le bloc. Voilà. Je pense qu'on va aller faire les deux étoiles secrètes. Ascension pour 8 pièces rouges. Ouais, non, je fais pas les 8 pièces rouges maintenant, hein, sérieusement. Bon, on va se rendre du coup là où était la cascade métal normalement. L'étoile que je parle, c'était l'étoile qu'il y avait là, du coup. Ici, il y avait une étoile, mais là, il n'y a plus, c'est juste une nuit. Mon rebondit mur, mon long jump, n'importe quoi, mon rebondit mur. Bon, du coup, comme j'ai dit, on va à la cascade métal. De toi. Bon, maintenant qu'on y est. Hop, on n'a plus qu'à récupérer les étoiles qu'il y a là-dedans. Non, bah, n'importe quoi, arrête, c'est bon, tombe. Alors, il faut pas se laisser prendre par la vitesse de l'eau, hein, parce que sinon on ne revient plus. Non, mais je voulais pas prendre la casquette de l'usine, n'importe quoi. Une étoile là, du coup. On va prendre la casquette de Mario pour avoir les 8 pièces rouges directement. Et on en reviendra pour la deuxième étoile, du coup. Voilà. Bon, comme vous avez vu sur la carte, l'étoile n'est pas si bien cachée que ça, de toute façon. Étoile pour la deuxième étoile. Voilà quoi. Elle est assez longue à avoir parce que du coup il faut aller à l'autre bout, il faut prendre le portail. Des étoiles assez longues à avoir, donc je vais l'avoir maintenant. Comme ça, on n'aura plus besoin d'y aller, ça sera fait. Non mais n'importe quoi, le Goomba là, laisse-moi tranquille. Pas sur son nez, faut aller sur sa tête.
Voilà, vas-y, continue tout droit. On a une jolie plateforme, tu vois, là-bas. Voilà. Bon, pour la deuxième étoile, il faut Mario. Ne vous occupez pas des autres casquettes. Je dis ça, mais je prends la casquette de la Peach. Toi, dégage. Et maintenant, avec Mario, on vole. Et voilà. Bon, on va pouvoir continuer, du coup, la caverne promesse, maintenant. On va faire quelques étoiles rapides. Non, les 8 pièces rouges, ils sont assez longs à faire. On va prendre la casquette de Mario, parce qu'on en a besoin. De toute façon, ici, c'est clair que c'est le monde de Mario. Hein. La majorité des étoiles, c'est avec lui qu'il faut les faire. Et les long jumps aussi, il faut les faire, Mario. Pourtant là celui-là il le fait hein. Voilà. Écoutez, je vais faire le tour parce que il me fait peur Wario. Voilà, il a encore voulu mourir. C'est pour ça que je dis qu'il me fait peur, Wario. Bon, faut juste casser ce bloc, prendre le grand champignon et péter des boules qui apparaissent ici. Bah tiens, bizarrement, il faut en péter plus que ça. Mais bon, tant pis. Normalement, il faut en péter 4 ou 5, mais là, je l'ai pété à partir de la troisième fois et c'est bon, je l'ai eu, quoi. C'est quand même un peu bizarre, mais c'est pas grave. Bon, récupérons notre étoile rapide, du coup. Voilà, c'est bien Mario. Tu fais des progrès. Du coup, il faut aller en bas. Juste là. Et prendre la casquette de métal. Voilà. Fort bien, tout ça. On va récupérer d'autres étoiles encore. Sans Mario cette fois-ci.
flemme de prendre tout le temps sa casquette, il est lent en plus. On va aller au labyrinthe toxique, parce que voilà, c'est cool d'y aller sans casquette. Mario. Mais ça suffit là, Mario. L'étoile qui est juste là. Bon, normalement, le labyrinthe toxique, il faut le faire avec Wario, mais bon. Flemme. On va faire la cinquième, du coup, qui est normalement à peu près au même endroit. C'est le Sniffit en fait avec les pâtures, sinon j'y serais arrivé. Mamma mia. J'ai dit que je voulais récupérer ces étoiles. Je l'aurai avec Mario. Je m'en fous. Mais il veut pas. Normalement, on peut faire un truc pour aller en avant, quoi. Toi, tu meurs. Voilà. Le truc est en train de descendre là. Voilà. Vas-y, remonte. Et voilà. Ça nous en fait 67. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller juste regarder si ça marche et qu'on a peut-être des lampes en blanc. Je suppose que non, mais bon, on va quand même regarder. Non. À bientôt pour une nouvelle vidéo, on finira la caverne brumeuse, hein, c'est-à-dire les 8 pièces rouges et la dernière étoile qui est sûrement des étoiles d'argent ou une étoile secrète que j'ai pas encore trouvée. Salut, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut et bye bye.